Bienvenue à Grand Reportage. Robert Picton est le pire tueur en série qu'a connu le Canada. Pendant plus de 20 ans, cet éleveur de porc a emmené dans sa ferme des prostituées de Vancouver pour ensuite les dépecer après les avoir tuées sauvagement. Après un long procès très médiatisé en 2007, Picton purge depuis lors une peine de prison à vie. Cette affaire macabre revient aujourd'hui à la surface avec l'ouverture de l'enquête publique ordonnée par la Colombie-Britannique sur le travail fort critiqué de la police de Vancouver et du rôle de la GRC. Ce qui suit dresse un portrait de Picton et des images de reconstitution qui donnent froid dans le dos. Février 1999. Willie Picton est en chasse. Il se rend au Downtown East Side de Vancouver en quête d'une prostituée ou d'une toxicomane, une femme qui a désespérément besoin d'argent. Il repère une jeune cocaïnomane à qui il propose de lui acheter sa drogue. L'ayant prise au piège, il l'emmène à sa roulotte. Sa victime morte, Willie sait comment la faire disparaître. Willie a été soupçonné d'avoir littéralement dépecé les femmes comme les animaux ou les porcs qu'il abattait. Les méthodes effroyables de Willie Picton ont rendu ses crimes presque indécelables. Pour l'arrêter, il aura fallu une enquête policière la plus compliquée jamais menée au Canada. Robert William Picton est né le 24 octobre 1949. Ses parents, Leonard et Louise Picton, ont une porcherie à Port Coquitlam, à 25 km à l'est de Vancouver. Ils y élèvent des animaux qu'ils abattent et dépecent. Ils vivaient dans cette ferme de manière primitive. Les animaux entraient et sortaient à leur gré de la maison des Picton. Comme le père pense qu'une fille n'a pas sa place dans une porcherie, la sœur aînée de Willie, Linda, vit chez un parent à Vancouver. Willie et son frère cadet David restent pour y travailler. Et leur mère, dure et exigeante, y veille. Elle était tyrannique. Elle faisait la loi et les enfants trimaient dur. Elle avait une voix très particulière. Elle leur criait « Les enfants, venez ici immédiatement !» d'une voix perçante. Pour Louise Picton, les porcs sont prioritaires et la propreté ne pose pas un problème. Tout le monde savait que les enfants des Picton avaient une odeur de fumier, de porc, que leur corps et leurs vêtements étaient sales. Les autres enfants ne voulaient pas s'asseoir près d'eux dans l'autobus et ils les traitaient de cochons puants. Willie a de la difficulté à l'école. Ses enseignants le jugent lent. Il doit suivre des cours de rattrapage. Avec son frère, il tente d'éviter l'école par tous les moyens. Il revenait à la maison et il se cachait sous leur lit jusqu'à ce que l'école soit finie pour que leurs parents ne sachent pas qu'il n'y était pas allé. Sans amis, le jeune Willie se consacre au travail de la ferme, surtout aux soins des animaux d'élevage. À 11 ans, avec ses économies, Willie achète un veau à l'encan. Il en fait son animal de compagnie et son seul ami. Il adorait ce veau. Tous les jours, quand il rentrait à la maison, il s'en occupait, il le nourrissait. Or, un jour, il est rentré et le veau avait disparu. Willie est allé voir sa mère qui lui a dit d'un ton sec et déterminé, « Va voir dans la grange. » Il y est allé et il a vu que le veau avait été débité. Il était hystérique. Ça lui a fait perdre tous ses sentiments de rapprochement avec les humains et sa compréhension du fait qu'il pouvait aimer quelqu'un ou établir un lien. Je pense que ça a été coupé à ce moment-là. Willie a encore des problèmes à l'école. En 1963, l'adolescent de 14 ans décroche. Il se trouve un emploi d'apprenti boucher, où il se découvre un talent pour dépecer les animaux. Il savait où les scier, où faire les incisions dans les parties du corps, comment enlever la peau. Bref, il savait ce qu'il faisait. Pendant 4 ans, Willie aide ses parents à la porcherie et poursuit son apprentissage de boucher.
Il vit une période relativement heureuse. Mais le bonheur et la normalité ont la vie courte à la ferme des Picton. Le 16 octobre 1967, Willie apprend une terrible leçon. Dave, le frère de Willie, avait 16 ans et il venait tout juste d'avoir son permis de conduire. Il a pris le camion de ses parents pour une balade. Le conducteur inexpérimenté frappe un jeune garçon qui marchait en bordure de la route. David file en vitesse à la maison pour relater ce qui vient de se passer à sa mère. Comme Willie le dira plus tard à ses amis, sa mère savait exactement quoi faire. Elle lui a dit d'aller immédiatement au garage et de le faire réparer. Elle allait s'occuper de l'enfant. Louise Picton trouve le garçon étendu sur la route, gravement blessé, mais encore vivant. Tout porte à croire qu'elle l'a poussé dans un fossé où il s'est noyé. Malgré ses soupçons, la police conclut à une mort accidentelle. Aucun Picton n'est inculpé de ce meurtre. Dans cette famille, si on pouvait s'en tirer, on s'en tirait. La mère, Louise Picton, était extrêmement antisociale. Et je pense que ses traits antisociaux ont vraiment affecté Willie et ont forgé ses impressions à propos de ce qu'il pouvait faire en toute impunité. En 1970, juste après son 21e anniversaire, Willie abandonne son apprentissage de boucher. Il va travailler à temps plein à la ferme de ses parents. Il n'y avait que Willie pour travailler à la ferme. Au fond, il devait se dire, si je vais dans le monde extérieur, il est possible que j'échoue. Je crois que c'est ce lien de dépendance peut-être trop fort envers sa mère qui l'a ramené à la ferme et qui lui a donné l'impression que c'était un endroit plus sûr pour lui. Willie continue de nourrir les porcs et de pelleter le fumier. Et il ajoute quelques tâches à sa liste. Il allait aux enchères acheter des porcs. Il les ramenait à la ferme et les abattait. Pour son travail, Willie va souvent au West Coast Reduction, un centre d'élimination des déchets animaux près du centre-ville de Vancouver. Willie était connu à ce centre de récupération. Il vidait des barils de matière qui étaient transformés en d'autres produits. Après ses visites à l'usine, Willie se rend souvent dans un quartier sordide appelé le Low Track du Downtown East Side de Vancouver. C'est un lieu de rassemblement de prostituées et de toxicomanes. Le Downtown East Side renferme probablement la plus grande concentration de misère humaine du monde développé. Il n'y a rien de ce genre ailleurs quant au nombre de personnes qui y vont et qui n'en reviennent jamais. Pour trouver de quoi vivre, ces personnes vendent de la drogue, vendent leur corps et volent. Au coin des rues et dans les bars mal famés, Willie peut acheter de la compagnie, de l'affection et du sexe. Ce qu'il ne peut avoir nulle part ailleurs. Il dépensait beaucoup d'argent pour accorder à la fille tout ce qu'elle voulait, sans compter. Quand elle revenait, les filles en parlaient à leurs amis et elles disaient que c'était vraiment bien d'être avec ce gars-là. Parmi les paumés du Low Track, Willie trouve sa place. Il se met à fréquenter l'hôtel Astoria, un pub de la rue East Hastings. Là, les hommes lui parlent comme à leur égal. Et les femmes s'offrent à lui. Il avait grandi sans aucun pouvoir. Ces personnes qui l'aidaient, à qui il accordait des faveurs, peu importe, lui donnent l'impression d'avoir une sorte de pouvoir. Un pouvoir que Willie aime bien et dont il a de plus en plus besoin. Il emmène des travailleuses régulièrement. À première vue, il semble amical, attentif même. Mais quand la fille est dans sa voiture, il peut devenir violent. Les gars comme Willie ont un grand besoin de stimulation parce qu'ils se sentent agités, ils s'ennuient et ils ont besoin de placer la barre de plus en plus haut. Son enfance difficile et ses désirs inavoués transforment Willie Picton en un monstre. Et les femmes de l'Outrag de Vancouver seront des proies faciles.
Il a juste fait ce qu'il connaissait, et c'était de charcuter, de se débarrasser des restes. C'est une recette pour meurtre qui n'en finit jamais. En 1975, Willie Picton a 25 ans. Le jour, il charcute des porcs, et le soir, il ramasse des prostituées dans le sordide downtown Eastside de Vancouver. Willie avait deux personnalités. À la campagne, c'était un simple garçon qui travaillait à la ferme. En ville, il était le grand dépensier de l'hôtel Astoria. Il fournissait de l'argent et de la drogue. Il adopte une routine prévisible et inquiétante. Mais en 1978, la vie de Willie change brusquement. Ses parents sont malades. Et en janvier 1978, son père meurt. Peu après, sa mère a un cancer terminal. Willie s'occupe d'elle et il voit cette femme jadis si forte devenir chétive et frêle. Il lui changeait les couches et il veillait sur elle. Il la soignait et il a trouvé cela très traumatisant. La chose la plus fondamentale et la plus primaire du monde, c'est la relation de l'enfant à sa mère. C'est la première relation et elle est très difficile à rompre. Avoir à s'occuper d'elle a sans doute été très dur. En avril, la mère de Willie meurt. Elle lègue la ferme et l'abattoir à ses trois enfants. Ils se partagent le peu d'argent de l'héritage, mais le frère et la sœur de Willie ne veulent rien savoir de l'entreprise familiale. Ils laissent le travail sur la ferme à Willie. Après tout, abattre des porcs est sa spécialité. Willie n'était pas très intelligent. Il était sale, il vivait comme un cochon, et sa vie gravitait autour des porcs. Je ne pense pas qu'il aimait vraiment la vie sur la ferme, mais il savait que c'était sa responsabilité. C'était un devoir qui lui incombait. Il avait peur de ne pas réussir à l'extérieur de la ferme. Cet élevage de porcs pourrait valoir quelque chose un jour, et il valait la peine d'y rester. Le frère de Willie, Dave, s'installe dans la résidence principale, et Willie emménage dans une roulotte isolée à la limite de la propriété. Il est toujours coincé à la ferme, mais pour la première fois de sa vie, Willie peut faire tout ce qu'il veut, quand il le veut. Il reçoit souvent des femmes. Il amenait des femmes qui y restaient quelque temps. Il leur apprenait les rudiments de son métier de boucher. Ils allaient au cinéma ou magasiner. C'était une belle vie, en quelque sorte, avec les femmes qui se succédaient. Ces femmes ne font pas de garde de son manque d'hygiène. Willie était si repoussant qu'il devait s'abaisser pour avoir des amis. La plupart de ses amis et de ses associés étaient des personnes qui attendaient quelque chose de lui. Il donne souvent de l'argent ou de la drogue à ses femmes pour qu'elles nettoient sa roulotte ou qu'elles l'aident autour de la ferme. Mais elles ne couchent jamais avec lui et il a grandement besoin de sexe. Un soir de 1980, alors qu'il roule dans le downtown Eastside de Vancouver, Willie aperçoit une jeune fille dans la rue Hastings. D'après la fille, Willie l'a fait monter dans son camion. Et comme elle l'a dit plus tard à un journaliste, Willie est devenu violent. C'était une adolescente de 14 ans qu'il avait fait monter dans son véhicule, dans le centre de Vancouver. Il l'a agressée avec un couteau. Il l'a violée et il l'a laissée dans un stationnement. À ses yeux, les prostituées ne valaient guère mieux que les porcs. Elles étaient peut-être des êtres inférieurs, des gens qu'on peut maltraiter. Et faire cela sans se faire prendre avivait l'excitation. Malgré ce désir apparemment nouveau de violence, cette agression présumée a semblé satisfaire le désir de Willie. Pendant plus d'une décennie, il reprend sa routine. Le jour à la ferme, le soir en ville. Puis en 1994, les Picton vendent la partie nord de la ferme. La vente leur rapporte près de 2 millions de dollars. Avec tout cet argent, Willie et son frère lancent en 1996 une entreprise de divertissement social. La Piggy's Palace Good Time Society est un prétexte pour organiser des fêtes débridées.
Il y avait des centaines, jusqu'à 1800 personnes pouvaient s'y trouver. Willie emmène souvent des prostituées du Lautrec au Palace. Il les conduit ensuite dans sa roulotte. Il avait des relations sexuelles bizarres. Parfois, il les attachait. Pour la première fois de sa vie, Willie a le contrôle. Sa nouvelle fortune lui confère un pouvoir sur les gens, surtout sur la fonte du Lautrec de Vancouver. Il exploite les prostituées toxicomanes vulnérables pour satisfaire ses fantasmes sexuels troublants. Mais sa quête de relations sexuelles bizarres va vite devenir violente et mortelle. En mars 1997, une prostituée appelée Wendy Eistetter est allée chez Willie. Pendant la relation sexuelle, Willie a tenté de la menotter, mais elle s'est libérée. Et Willie s'est mise en colère. Il a dit qu'il avait un couteau et qu'il s'en venait. Wendy est parvenue à prendre un autre couteau dans la cuisine. À chaque coup qu'il lui donnait, elle lui en donnait un. Presque nue et blessée, Wendy a fui la ferme. Un couple de personnes âgées qui passaient en auto l'a transportée à l'hôpital. Elle avait reçu des coups de couteau sur tout le corps. C'était horrible. Ces énormes plaies béantes d'ici à là. La police inculpe Picton d'agression. Mais Wendy a trop peur pour témoigner. Elle ne se présente pas au procès. L'inculpation de Picton tombe. Il rentre dans sa ferme, avec ses porcs et ses couteaux de boucher. En août 1997, Willie retourne au Lautrec. Il aborde une jeune femme de 24 ans, Marnie Frey. Marnie est une héroïnomane. Willie lui offre de lui acheter de la drogue si elle couche avec lui. Il l'emmène dans sa roulotte. Après la relation sexuelle, il devient violent. Marnie n'est pas rentrée cette nuit-là. Il l'a probablement démembrée et enterrée sur la ferme. Certains membres, du moins. Ce qui restait, Willie l'a peut-être apporté au West Coast Reduction, le centre de recyclage des restes animaux qu'il fréquentait. Le meurtre de Marnie Frey marque le début d'un chapitre de violence dans la vie de Willie Picton. Outre son envie irrésistible de dominer sexuellement les femmes, il a maintenant le goût de tuer. De 1995 à 1997, 21 femmes disparaissent du Downtown East Side, ce quartier malfamé de Vancouver. Il aimait chacune des étapes. Les aborder, leur faire la cour au coin de la rue, discuter du prix, l'assassinat, le dépeçage. Je pense que c'était un processus qu'il aimait vraiment. Mais personne ne soupçonne Willie Picton d'attirer des femmes à sa ferme et de les tuer. Les tueurs en série ont généralement besoin d'une excitation de plus en plus forte et il y a une escalade de la violence. Willie passe des relations sexuelles avec des prostituées, à les emmener chez lui, au viol, puis au meurtre. En 1998, 9 autres femmes disparaissent. La police ne mène pas d'enquête, ne croyant pas la possibilité qu'elles aient été tuées. Des membres des familles des femmes disparues, des amis et des collègues remplissaient les rapports de police et on leur répondait « Ces femmes prennent l'autobus et partent ailleurs ». La police n'aime pas mener une enquête quand il n'y a pas de cadavre. Elle ne voulait pas prendre ces cas au sérieux. Mais les prostituées et les toxicomanes des bas-fonds de Vancouver savent qu'elles sont ciblées. Il n'y avait pas d'annonce. On ne nous a pas mis en garde du genre « Attention, un monstre rôde dans les rues ». Mais on ne voyait plus les filles au coin des rues.
Helen Allen dirigeait un refuge offrant des repas et des services sociaux aux travailleuses de la rue. C'était horrible de voir toutes ces femmes qui disparaissaient. Nous en étions si conscientes. Je pense qu'on se sentait toutes impuissantes. Elle rapporte plusieurs disparitions, mais les policiers n'y donnent pas suite. On nous rabrouait constamment et on nous disait, vous savez, il arrive souvent que cette femme parte avec un client. Et elle va bien, j'en suis certain. Les policiers de Vancouver ne voulaient même pas mettre tueur et série dans la même phrase. Ils disaient, que voulez-vous, ces femmes montent dans l'auto d'un étranger, alors qui sait où elles sont? C'est une attitude qui revient à hausser les épaules. Les femmes du Lautrec continuent de partir avec Willie. D'une part parce qu'il les paye bien, et d'autre part parce qu'il a la réputation d'être un bon gars. Il conserve même un lien d'amitié avec quelques femmes. Ce n'est pas surprenant qu'un tueur en série ait une autre vie. Ce n'est pas comme s'il devait tuer toutes les femmes qu'il rencontre. C'est plus compliqué que cela. Une des amies de Willie est une accro au crack appelée Lynn Ellingson. Elle a passé plusieurs mois à sa ferme en 1999. Un soir, après avoir pris sa dose dans la roulotte de Willie, Lynn s'est endormie. Quelque chose l'a réveillée ce soir-là. Elle a regardé dehors et elle a vu de la lumière à l'abattoir. Par curiosité, elle est sortie pour voir ce qui s'y passait. Une femme aux ongles d'orteil vernis en violet se balance devant elle. Il s'agit de Georgina Papin, la dernière victime de Picton. Terrifiée, Lynn s'enfuit de la ferme. Willie ne tente pas de la retenir. Willie était une sorte d'énigme. Il n'a peut-être pas tué Lynn Ellingson parce qu'elle était son amie, il la connaissait. La plupart des tueurs en série tuent des personnes qu'ils ne connaissent pas. Lynn Ellingson n'a jamais parlé à la police et Willie a continué ses dépeçages. L'éleveur de porcs millionnaire allait devenir le tueur en série le plus prolifique du Canada. En février 1999, Willie Picton avait déjà tué au moins deux femmes. Mais plus de 30 femmes avaient disparu des rues de Vancouver. Tandis que la police continue de ne pas s'occuper des disparitions, Willie Picton se prépare à tuer une autre victime. Elle s'appelle Brenda Wolfe. C'est une toxicomane qui est allée à la ferme de Willie dans l'espoir d'obtenir de la drogue. Elle n'en sortira pas. Généralement, il attachait ou menottait ses victimes et il les étranglait avec un fil de fer ou une ceinture. Willie dira plus tard qu'il transportait les corps sans vie de ses victimes à l'abattoir. Il les dépeçait alors avec la précision d'un boucher d'expérience. Il faisait simplement ce qu'il savait faire et c'était de dépecer et jeter. Il n'y avait probablement jamais réfléchi. Dans la plupart des cas, Picton place les restes de ses victimes dans des barils qu'il transporte à la West Coast Reduction. Brenda est la 53e Vancouveroise à disparaître sans laisser de traces. Les disparues sont toutes des prostituées ou des toxicomanes des bas-fonds. Les femmes avaient très peur. Leurs amis disparaissaient, elles le savaient. J'ai entendu des femmes dire, je vais être la prochaine. Je vais sortir ce soir. Si vous ne me voyez pas demain, venez me chercher. Les femmes étant de plus en plus nerveuses, Willie a de la difficulté à les convaincre de venir à sa ferme. Willie a des capacités réduites. Il n'est pas très brillant. Mais il avait une habileté et une intelligence animale en quelque sorte. L'éleveur de porcs s'est lié d'amitié avec quelques femmes. Et il trouve le moyen de s'en servir pour leurrer ses victimes. Dinah Taylor est l'une de ses amies. Willie l'envoie au refuge de femmes en quête de prostituées et de toxicomanes. Dinah Taylor disait, on va aller faire la fête chez oncle Willie. Il a de la drogue, de l'alcool et de l'argent.
Je me souviens de l'avoir aperçue quelques fois au centre le soir. Elle en repartait parfois en compagnie d'une femme. Et une fois rendue à la ferme, les femmes étaient des proies faciles. C'était pour lui une sensation psychologique très forte. Celui qui avait été rejeté attendait maintenant non seulement qu'on lui amène les femmes, mais qu'on les lui amène pour les massacrer. La plupart du temps, il les accusait de l'avoir volé, d'avoir pris de l'argent dans son portefeuille, quelque chose du genre. C'était un prétexte pour piquer une rage contre elles et les agresser. En janvier 2001, le nombre de femmes disparues avait atteint 62. Les autorités ne peuvent plus ignorer le problème. En avril, le service de police de Vancouver et la Gendarmerie royale du Canada forment le groupe de travail sur les femmes disparues. Des affiches promettent 100 000 $ pour un renseignement menant à une arrestation. Plus de 12 000 personnes appellent. Plusieurs parlent d'un éleveur de porc à l'est de Vancouver. Le nom de Willie Picton se retrouve finalement sur la liste des suspects. Il a déjà été arrêté pour agression, mais il n'a pas été condamné. La police ne va pas plus loin. Ils ne savaient pas comment chercher un tueur en série. Ils n'avaient pas d'effectifs. Leur dossier était mal monté. Ils n'avaient pas d'échantillon d'ADN pour vérifier l'identité de ces femmes. Les membres des familles des disparus désespèrent d'avoir des nouvelles. Ils poussent la police à mener une enquête. Peu importe qu'on les appelle plusieurs fois pour leur expliquer qu'on pensait que Marnie pouvait être dans cette ferme ou ailleurs à Port Coquitlam, ils ne semblaient pas s'en soucier. Je ne sais pas pourquoi ils ne lui ont pas accordé plus d'importance. Il filait plusieurs personnes et il a probablement glissé dans une maille du filet. Willie poursuit sa folie meurtrière au printemps de 2001. En juin, il tue Andrea Josbury. Et en août, Serena Abbotsway devient sa conquête suivante. Mais contrairement à ce qu'il a fait de ses autres victimes, Picton ne se débarrasse pas immédiatement des corps. Il met leurs têtes, leurs mains et leurs pieds dans des seaux de plastique au congélateur. Je pense qu'il est devenu négligent. Voilà un homme qui n'a peut-être pas vraiment compris les implications de ce qui pouvait lui arriver. Je pense qu'il s'est cru invincible. N'oubliez pas que sa mère s'en était tirée à la suite d'un meurtre. En novembre 2001, Willie s'arrête au coin de Maine et Hastings pour parler à Mona Wilson, âgée de 26 ans. Il lui promet de la drogue et de l'alcool gratuits, et Mona monte dans sa voiture. Il l'emmène chez lui dans un camping-car derrière la grange. Après le rapport sexuel, il la bat sauvagement. Peut-être cette femme a-t-elle tenté de riposter ou a-t-elle fait quelque chose qui ne cadrait pas avec ce que Willie avait en tête, ce qui pourrait avoir déclenché la rage qu'il avait en lui. Willie la bat avec un revolver de calibre 22. Son sang éclabousse les murs et imbibe le matelas. Il se peut qu'avec le temps, il y ait eu une escalade dans ses comportements, parce qu'il avait besoin d'agir de plus en plus violemment. À la fin de 2001, 64 femmes du Low Track de Vancouver sont sur la liste des disparues. Mais la police n'a fait aucun progrès. Finalement, le 1er février 2002, les enquêteurs ont une piste inattendue. Un camionneur qui travaillait parfois à la ferme des Picton dit à un agent qu'il a vu des armes illégales dans la roulotte de Willie. Voulant en savoir davantage sur ce suspect de meurtre potentiel, la police obtient un mandat de perquisition. Il devait procéder très prudemment pour ne pas manquer cette chance. 4 jours plus tard, les policiers de Vancouver arrivent à la propriété des Picton. Les découvertes macabres qu'ils y font vont déclencher la plus grande enquête de criminalistique jamais menée au Canada. Février 2002. Des femmes toxicomanes et prostituées disparaissent mystérieusement du Downtown Eastside de Vancouver.
la police ignore qu'un seul homme a tué et dépecé les corps d'au moins 6 de ses femmes. Mais un indice confidentiel fournit une piste d'enquête inattendue. Armés de mandats de perquisition, les policiers s'apprêtent à fouiller la ferme de Willie Picton à la recherche d'armes illégales. Ils ne tardent pas à découvrir les armes et beaucoup plus. Un enquêteur a trouvé un inhalateur portant le nom d'une des femmes disparues. Il avait été prescrit à Serena Abbotsway. Le groupe d'enquête conjoint a alors décidé de suspendre l'enquête sur les armes à feu et de demander de nouveaux mandats de perquisition. Willie Picton passe la nuit derrière les barreaux. La police informe les médias de cette percée dans l'enquête. À l'aube, les journalistes et les équipes de caméras de tout le pays encerclent la ferme. Tout le monde était là, bouche bée. On s'imaginait les pires choses, comme si les cauchemars se concrétisaient. Sur la propriété, les enquêteurs font une découverte macabre. La preuve de l'assassinat de Mona Wilson. Ils ont trouvé un matelas imbibé de son sang. Il y avait des éclaboussures de sang par terre, sur les armoires, sur les murs, partout, jusqu'à la cuisine. À l'extérieur, une poubelle contenant tout ce qui reste de la disparue. On pouvait voir son cerveau, ses cheveux. On voyait son crâne coupé en deux qui flottait dans ce liquide rosé. Dans la salle d'interrogatoire, les policiers cuisinent Willie pendant des heures. Mais Picton est d'un calme déconcertant. Il nie tout. Une partie de lui s'en foutait, comme sa mère qui s'était fichée de ses sentiments. Il avait les jambes étendues sur le rebord de la chaise et il passait un bon moment. Il s'amusait vraiment. Après 11 heures d'interrogatoire intense, les enquêteurs changent de tactique. Ils ont décidé de placer un agent incognito dans sa cellule pour voir s'il lui parlerait. Willie savait qu'on le surveillait, mais cela ne l'a pas empêché de se vanter à son compagnon de cellule. À un moment donné, Willie a dit aux policiers qu'il visait le chiffre rond de 50, ce qui voulait dire qu'à ses yeux, il en avait tué 49. Willie a aussi laissé entrevoir qu'il se débarrassait des corps au centre de recyclage. Il a mentionné à l'agent qu'il avait été négligent à la fin. Il avait quelqu'un à qui il pouvait parler de ce qui s'était passé. Les tueurs en série aiment se vanter du nombre de leurs victimes. Le 22 février, la police inculpe Picton des meurtres de Serena Abbotsway et de Mona Wilson. Entre-temps, une petite armée de policiers et d'experts médico-légaux passe la ferme au peigne fin, en quête des restes des autres victimes. Les enquêteurs ont quadrillé toute la propriété et ont fouillé tous les carrés, un à un. L'enquête criminalistique met à jour une histoire horrible de meurtre et de dépravation. Il y avait des congélateurs là-bas. Dans un des congélateurs, il y avait deux seaux. Dans un seau, il y avait la tête, les mains et les pieds de Serena Abbotsway. Et dans l'autre, ceux d'Andrea Josbury. Ils ont pris des centaines d'échantillons d'ADN. C'était une opération policière extraordinaire. Une fouille criminalistique inédite. En avril 2002, la police a assez de pièces à conviction pour inculper Picton de 5 autres meurtres. Les articles sur les massacres de Picton font la manchette au Canada et aux États-Unis. À quelques reprises, des journalistes m'ont appelé pour me demander si je connaissais une telle. Et je répondais, bien sûr, je la connais, pourquoi? Ils disaient qu'on venait de découvrir ses restes sur la ferme de Robert Picton. J'ai dû m'y faire. Je pensais qu'il parlait d'une personne que je croyais vivante. Même si Picton est derrière les barreaux, les détails concernant les meurtres répandent la terreur à Vancouver. Le 11 mars 2004, les autorités canadiennes en matière de santé font une déclaration choc. La contamination croisée signifie que des restes humains aient pu contaminer ou se retrouver dans la viande de porc qui a été produite. On avait reçu beaucoup de viande de porc de cet élevage. Le soir où les médias ont annoncé cette nouvelle,
On a appelé Lynn, la mère de Marnie, et la première chose que ma fille lui a dit a été « Je suis vraiment désolée, ma tante, parce qu'il se peut qu'on ait mangé Marnie. » Personne ne rapporte de viande, mais bon nombre attendent avec impatience le début du procès de Robert Picton. L'enquête criminalistique de collecte des indices à la ferme Picton dure 22 mois. À la fin de 2005, la police a assez de pièces à conviction pour inculper Willie Picton de 27 meurtres. Mais l'inculpation n'est pas aussi solide qu'on le souhaite. À la toute veille du procès, personne ne s'attend à entendre « non coupable ». On a vu que certains membres du jury étaient en larmes. Et alors j'ai compris que le verdict allait être problématique. Janvier 2006. Le procès du plus grand tueur en série de l'histoire du Canada va commencer à Vancouver. Des dizaines de membres des familles des victimes sont dans la salle d'audience bondés. Ils sont venus voir le boucher, traduit en justice. L'éleveur de porc, Robert Willie Picton, est accusé d'avoir tué et dépecé 27 femmes. Mais les autorités croient que le nombre de victimes pourrait atteindre 49. Les détails sordides des crimes captivent les lecteurs au Canada et aux États-Unis. Cette juxtaposition quasi perverse d'élevage de porcs et de prédation sexuelle en série a propulsé Picton à la une des journaux. C'est devenu une affaire d'un macabre fascinant. Les audiences avant procès durent près d'un an. Le juge James Williams retire une accusation de meurtre pour insuffisance de preuves. Il scinde aussi l'affaire en deux procès. Les causes étaient si complexes et si longues que le juge a ordonné qu'on les sépare pour que ce soit gérable. Picton va d'abord être jugé pour 6 meurtres. Et pour que le procès soit équitable, le juge ordonne un interdit de publication, ce qui limite la couverture journalistique du procès. Le premier procès débute le 22 janvier 2007. Dans la salle de la Cour suprême de New Westminster, les membres des familles font face à celui que plusieurs appellent « le boucher ». Il affiche toujours un sourire narquois. Il me donne la chair de poule quand je suis dans la salle d'audience. Picton plaide non coupable du meurtre de Marnie Frey, Serena Abbotsway, Georgina Papin, Andrea Josbury, Brenda Wolfe et Mona Wilson. La couronne présente au jury une multitude de preuves, dont des photos sordides du lieu du crime, l'analyse des taches de sang, les conclusions des experts et l'analyse de l'ADN. Ils ont présenté toutes sortes de preuves, comme une veste de femme, du rouge à lèvres, des lunettes de vision nocturne, des menottes, toutes sortes de choses horribles et terrifiantes. Parmi les témoins à charge, il y a Andrew Bellwood, un homme qui a passé plusieurs semaines à la ferme des Picton en 1999. Il a témoigné que Willie avait reconstitué le meurtre des prostituées sur son lit en se mettant à genoux et en faisant comme s'il étranglait une prostituée avec une ceinture ou un fil d'acier. La défense met en doute la crédibilité de Bellwood, soulignant que l'ex-toxicomane a un casier judiciaire. Le récit de Bellwood n'en fait pas moins frissonner l'auditoire. Ses descriptions étaient extrêmement détaillées. Il y a un autre témoignage saisissant, celui de l'ex-amie de Willie, Lynn Ellingson. C'était la seule personne à témoigner avoir vu Willie Picton avec une femme morte. Mais les procureurs de Willie démolissent le témoignage de Lynn Ellingson. Ils en soulignent les incohérences et ils rappellent au jury qu'elle avait pris de la drogue le soir du meurtre présumé. La défense a travaillé fort pour miner sa crédibilité et elle a réussi. Au fil du procès, la défense décrit Willie comme un crétin qui ne pouvait pas commettre ces meurtres élaborés de son propre chef.
Dans un sens, il était presque un animal primitif. Les gens ont parlé de sa grande intelligence, mais les loups et les animaux tuent sans arrêt. Et Willy leur ressemble. Les procureurs de Picton laissent entrevoir que des amis comme Lynn Ellingson ou Dinah Taylor pourraient être responsables. Les plaidoyers finaux sont présentés le 26 novembre 2007. Le jury délibère pendant 2 semaines. Le 8 décembre, les parents des victimes et les journalistes sont là pour entendre le verdict du jury. On a vu que certains membres du jury étaient en larmes. Et alors j'ai compris que le verdict allait être problématique. Et c'est le cas pour les membres des familles des victimes. Les jurys concluent que Picton n'est coupable d'aucun meurtre prémédité. Les familles dans la salle se sont mises à crier. Mais Picton n'échappe pas à la justice. Le jury déclare Picton coupable de 6 meurtres au 2e degré. Le juge Williams lui impose la peine maximale, 25 années de prison. Ça porte essentiellement sur la préméditation. On se demande comment on peut tuer 6 femmes sans que ce soit prémédité, planifié et orchestré. Le jury n'a pas pu déterminer s'il avait agi seul ou non. Quand on pense qu'il reste 20 chefs d'accusation pour lesquels Robert Picton n'a pas été jugé, ça me semble une affaire non réglée. Les enquêteurs ne détermineront peut-être jamais combien de femmes ont été tuées à la ferme Picton. Il y a une autre question obsédante. Qu'est-ce qui a poussé un garçon solitaire à devenir apparemment le plus grand tueur en série du Canada? C'est cette combinaison d'inné, d'acquis, d'apprentissage, de psychologie et de génétique. Il était peut-être prédisposé à faire cela, mais on lui a aussi appris que la vie n'avait pas beaucoup de sens. Je connais bien des femmes du Downtown Eastside qui diraient « Laissez-le sortir 5 minutes et on va lui régler son compte. » La Cour suprême du Canada a rejeté à l'unanimité la demande du tueur en série Robert Picton, qui souhaitait obtenir un nouveau procès. À la lumière de cette décision, la Couronne de la Colombie-Britannique a annoncé qu'elle demanderait la suspension des 20 accusations qui pèsent toujours contre Picton. En septembre 2010, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé la tenue d'une enquête publique sur le travail des policiers dans l'affaire Picton. On ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de 38 des 64 disparus de Vancouver.